Je suis encore une fois touché par l'unité dont nous faisons preuve. Même si les politiques de nos jours sont si frustrantes et difficiles, nous savons résoudre nos différends par le dialogue et lors de rencontres et non sur les champs de bataille. We are the dead. Short days ago we lived, felt dawn, saw sunset glow, loved and were loved. And now we lie in Flanders Field. Lundi 8 octobre dernier, les ambassades de France, de Grande-Bretagne et d'Allemagne auprès du Royaume de Belgique ont organisé une cérémonie commémorative avec dépôt de gerbes au cimetière de Marcinelle. Leurs Excellences Madame Claude-France Arnould, Monsieur Jonathan Brennan et Monsieur Martin Kotaus étaient accompagnés d'élèves qui ont lu dans leur langue des textes d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Welchem Oktober 1914, circa zwei Wochen vor seinem Tod, schrieb, mit welcher Freude, welcher Lust bin ich hinausgezogen in den Krieg. Mit welcher Enttäuschung setze ich hier das Grauen im Herzen. Gerade Herr Schriftsteller Thomas Mann, der 1929 den Nobelpreis für Literatur. Monsieur Paul Breyne, Commissaire Général pour les Commémorations de la Première Guerre mondiale, Monsieur Tommy Leclerc, Gouverneur de la province du Hainaut, et Madame Françoise d'Aspremont pour la ville de Charleroi, ont aussi déposé des fleurs aux différents monuments du cimetière historique de Marcinelle, situé au-dessus des anciens charbonnages du bois du Casier. août 1918. Dès les premiers coups de canon, j'ai été projeté en l'air, des masses de terre se sont soulevées sous moi, et à ce moment-là, j'ai perdu connaissance. Je retrouvais rapidement mes esprits. Enseveli, enterré vivant sous de lourdes masses de terre, dans quelques instants, je vais manquer d'air et ce sera la mort. Peut-être que la forêt estivale m'offrira ses reflets lumineux, et les roses leurs couleurs si bienveillantes, et que les champs d'automne me donneront leur récolte, malgré que tu ne sois plus là. Peut-être qu'un jour je ne tressaillerai plus de douleur au moment où l'année se termine, alors que les chants de Noël retentissent à nouveau, malgré que tu ne puisses plus jamais les entendre. Mais si ces différents moments peuvent à nouveau me donner de la joie, je ne pourrai jamais plus connaître la plus grande, parce que tu manqueras trop à mon cœur, brisé à l'enfance depuis le jour. Les nombreux accompagnements musicaux ont été assurés par la Royal Band de la Belgian Air Force.